Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme pour faire cette petite toile en ma compagnie. Alors il s'agit d'un lever de soleil de l'aube sur une campagne enneigée. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes prêts, on peut y aller. C'est parti! Une petite revue de matériel pour les nouveaux venus. Nous avons une toile coton 8F bien tendue. Un couteau effilé bien souple. Au niveau de la peinture, c'est de la peinture à l'huile uniquement. Le blanc de titane, le bleu outre-mer, la terre de sel naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et un petit peu de magenta. Nous avons un chiffon pour essuyer le couteau ou un essuie-tout à votre convenance. Voilà, nous allons pouvoir y aller. Alors, je prépare à l'aide de blanc. Vous en prenez une bonne quantité. Du bleu outre-mer. Un petit peu de terre de sienne. Une petite touche de magenta. Je mélange tout ça et nous allons couvrir toute la toile avec ce mélange. Comme vous savez, je peins tout dans le frais et cette sous-couche va nous aider à faire adhérer les suivantes. Donc là, on mélange bien notre pâte. Voilà, on obtient un gris bleuté. Alors, c'est peut-être un peu faible, je vais rajouter un petit peu les trois couleurs cités précédemment. Voilà, je charge mon couteau bien à fond et je vais étaler cette couleur sur toute la toile. Alors une fois la couleur appliquée grossièrement, comme ça, je vais fermer les bordures de la toile à l'aide du doigt, comme ceci, pour obtenir des bords bien propres. Ensuite, je vais lisser pour enlever le surplus de pâte. Voilà, c'est une couche assez fine. Pour pouvoir travailler le dégradé par la suite. Maintenant, je vais préparer trois gris différents. Alors, toujours à base de blanc. Le premier va avoir une tendance bleutée. En rajoutant de l'outre-mer dedans. Le deuxième, alors du blanc, un petit peu de bleu et un poil de magenta. Là, on va partir dans les roses. Une troisième, ça sera du gris comme précédemment, mais avec un petit peu de bleu ajouté. Voilà.
Alors, avec la couleur à tendance bleue, je vais charger mon couteau et frotter un petit peu ici, en haut à droite, pour apporter cette nuance. Je poursuis sur le haut. Encore un peu ici. La couleur la plus foncée. Et il suffit de caresser la toile pour que la couleur adhère à la sous-couche. Et cette couleur un petit peu rose, nous allons l'appliquer plutôt par là. Je vais renforcer la couleur bleue en rajoutant de l'outremer dans le mélange. Voilà, pour accentuer sur les bordures ici, en faisant en sorte que ça se mélange bien. Un petit dégradé avec ce qui existe déjà. Tout doit se mélanger en douceur. Il suffit de frotter légèrement sans appuyer sur le couteau. Ensuite, du blanc pur pour faire apparaître la clarté du lever du soleil. Là, ça finit par se dégrader sur le haut. Vous essuyez bien le couteau pour pas que ça se mélange trop. Si vous ramassez de la couleur trop sombre, ça va pas aller. Donc on essuie bien son couteau à chaque fois pour recharger le blanc pur. Donc le soleil va se trouver à peu près ici. Alors ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de bleu dans cette zone. Car quand je vais poser le soleil avec des dominantes jaunes, ça se mélangerait et on obtiendrait un joli vert qu'on ne veut surtout pas avoir dans le ciel.
Là, on doit bien voir apparaître toute cette clarté. On lisse. Je vais maintenant composer une couleur un peu plus soutenue pour faire le tour du point lumineux le plus fort, c'est le soleil ici. Je reprends du blanc, je prends un peu de rouge, un peu de magenta, du jaune. Là, ce qui va me faire une belle couleur rosée, plus soutenue que celle que j'ai mis précédemment. Et je frotte comme tout à l'heure. Voilà, je mêle avec les couleurs déjà posées. Bien essuyer son couteau. Un petit dégradé. Je peux en mettre un petit peu par ici. Réchauffer ce ciel. Et maintenant, à l'aide de jaune. De vermillon, pas beaucoup, un petit peu, hein. Du blanc, je repose du jaune par-dessus. Et du blanc pur maintenant. Encore un peu. Alors, je vais éclaircir cette zone ici, qui représente l'arrière-plan de notre arbre en contre-jour.
mètres de blanc pur. Là, ça se mélange un petit peu avec la sous-couche. C'est volontaire, hein, pour donner quelque chose de doux. Alors je vais composer maintenant un gris pour placer les arbres dans le lointain à l'horizon. Alors du blanc, je peux récupérer ça. Alors du bleu, outre-mer, un petit peu de terre de sienne, du rouge, vermillon. Un petit peu plus de vermillon. Alors je contrôle que ce soit plus foncé que ce qu'il y a déjà. Là c'est pas assez fort, donc je rajoute un petit peu de bleu, un poil de terre de sienne et un petit peu de rouge vermillon. On voit bien la différence maintenant. Voilà, je prends la pâte à l'extrémité du couteau et je vais poser les arbres qu'on voit dans le fond ici. Là, ça se détache bien avec le fond coloré et clair. Je vais en placer de l'autre côté également. Vous pouvez donner la forme de sapin ou d'autres arbres, c'est à votre convenance. Je vais préparer le feuillage de l'arbre principal qui va se situer par ici. Alors toujours du blanc. Je vais faire encore un gris, mais cette fois encore plus soutenu, étant donné que l'arbre se situe plus proche de l'œil du spectateur, donc il faut que ce soit un petit peu plus foncé. Alors du blanc, du bleu toujours, un petit peu de terre de sienne et également du rouge vermillon. Ouais, ça fait un gris bleuté mais un peu plus soutenu.
Là, il tranche un peu plus. Donc là, on va placer notre arbre ici. On peut dire que la cime va se situer par là. Vous voyez comme ça tranche bien avec le fond clair. Ensuite, j'ai composé une couleur plus sombre pour placer le tronc et les branches. Donc, outre-mer, un petit peu de terre de sienne, du rouge, vermillon. Et je récupère un peu de cette couleur bleutée là pour casser la couleur, qu'elle ne soit pas trop puissante non plus. Un peu de rouge. Voilà. Alors, à l'aide de cette couleur, je vais former un cordon sur mon couteau comme ceci et on va faire monter le tronc de l'arbre. On va essayer de ne pas le faire trop rectiligne. Et ça diminue au fur et à mesure qu'on monte. Maintenant, on va replacer du premier bleu là, par-dessus les troncs par endroits, par-dessus les branches aussi, pour entrecouper. Branches et troncs. Je vais en faire un deuxième à côté, un peu plus petit.
Alors maintenant, on va passer aux empattements du premier plan. Alors, avec du blanc, là, on va mettre plus de matière hein, pour donner l'effet de profondeur. Du blanc, là, je vais mettre pas mal de bleu. Du rouge vermillon et du magenta. On va déjà travailler les zones à l'ombre. Alors, je vais faire plusieurs couleurs. En voilà une, puis je vais en faire encore une plus soutenue pour donner quelques variations à cette couleur. Voilà. C'est la même mais en plus foncé. Alors, la partie éclairée va se situer par ici, comme ça. Et là, ça fait un petit talus qui est à l'ombre, donc plus foncé. Là, vous n'hésitez pas à empâter maintenant. De l'autre côté. Je peux monter un peu par ici, donner un effet bleuté aux petits arbres ici. Je prends maintenant la couleur la plus soutenue pour renforcer les ombres par endroits. Maintenant, du blanc pur pour faire arriver la lumière.
quelques petites touches dans les arbres. Là, si on veut, on peut faire un petit arbuste comme ceci. Faire des petites branches qui s'élèvent comme ça pour renforcer l'avant-plan. Herbes. Je passe une petite ligne de blanc pur sur le bord des arbres comme ça. Bien faire arriver la lumière de la droite. Je vais peut-être même foncer encore un petit peu le côté gauche des arbres. Alors je vais prendre du bleu, du vermillon. Pour donner un peu plus de contraste à ces arbres. Voilà donc ce petit tableau enneigé terminé. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le reproduire chez vous. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye !